Gémeaux, j'ai fait la voyance pour les Américains, enfin ceux qui parlent anglais, quoi. Et en fait, j'ai tiré des nouvelles cartes. Donc, je me suis dit que j'allais faire encore une toute petite vidéo pour vous dire ce que j'ai vu, d'accord? Donc, certains d'entre vous, il y a peut-être des choses qui ont été attachées à vous, des choses toxiques. Pour certains, ça peut être même tout ce qui est magie noire, un petit peu. Où on vous a miasmé là, on vous a envoyé que vous savez pas trop comment vous défaire de ces choses du passé, ces choses toxiques, peut-être des entités, peut-être quoi qu'il en soit, la magie noire, n'importe quoi, vous savez pas comment faire. Et en fait, les réponses elles sont dans la voyance, hein. Vous relaxez, avoir confiance en Dieu, faites une petite prière, voilà, et arrêtez d'essayer de contrôler. Déjà ça va aider parce qu'on travaille sur vous. Ensuite, on vous dit que au niveau du boulot, c'est à ça que je veux en venir. Vous faites un boulot et peut-être que pour certains d'entre vous, ça va pas énormément bien. C'est peut-être pas là où vous avez envie d'être, c'est peut-être pas encore super rentable ou c'est peut-être pas votre voie pour certains d'entre vous. Mais vous allez avoir la solution. Vous allez avoir la solution maintenant. Parce que je vois que vous essayez de manifester du travail. Ok? Pour certains d'entre vous, vous cherchez un boulot, peut-être que vous n'en avez pas. Et j'ai l'impression qu'en fait, vous n'êtes pas censé en avoir un. Donc relaxez-vous. Vous n'êtes pas censé travailler trop, trop, trop en ce moment. Donc relaxez-vous si vous avez un business. Je sais que c'est difficile, mais ça va aller. Parce qu'on me dit que dès que vous allez en finir avec toutes ces choses du passé, que vous allez vraiment tourner la page, que vous allez aussi en finir avec vouloir contrôler votre guérison, si vous êtes malade ou si vous avez des soucis, des choses, même des soucis psychologiques, émotionnels, spirituels, physiques. Il faut commencer à lâcher prise et arrêter avec tout ça. Ok? Vous avez plein de solutions qui vont vous être apportées. Pour certains d'entre vous, ça peut être de consulter, comme j'ai dit, thérapeute, psychothérapeute, mais il y a des solutions. Et une fois que vous arrivez à vous guérir, une fois que vous arrivez à vous guérir, c'est comme si il y a le jugement final, c'est comme si on vous réveille. Vous allez être réveillé, je sais pas, les choses vont aller, vous allez le sentir que vous êtes guéri. Et je pense que ça sera, il vous reste pas longtemps, d'accord? Ça sera en 2024. Peut-être que ça sera pour janvier, puisque c'est la voyance de janvier, janvier-février. Peut-être, j'espère. Mais, et ça va débloquer quoi? Votre argent. La valeur de soi, faire confiance en soi, c'est lié à l'argent. Donc, bravo. Je prie que vous le fassiez, que vous vous relaxiez, que vous ayez confiance en vous maintenant. Que vous savez que vous méritez mieux, qu'il n'y a rien à se reprocher, que tout est ce que c'est, que le passé doit rester en 2023 et que 2024, c'est la création de votre meilleur vous, votre meilleure vie, votre meilleure santé, tout. Le boulot, l'argent, ça va aller mieux, d'accord? Il y aura une opportunité, vous allez pouvoir avancer, je vous promets. Allez. Achei, pai.